Chez Arnabar, on élève des canards depuis 3 générations. Même si au départ, on est éleveur aussi de vaches blondes d'Aquitaine et de brebis laitières, on s'est vraiment spécialisé dans l'élevage du canard il y a à peu près 25 ans. Voilà. Arnabar, donc c'est le nom de l'entreprise à Ossès, mais c'est surtout et avant tout le nom de la ferme familiale ici à Igrissari. Ce sont des petits canards mulards. Donc le canard mulard, c'est le croisement entre le canard de Barbarie et la canne Pékin. Donc ces canards-là ont 15 jours. Ça fait 15 jours donc ils sont sur la ferme puisqu'on les reçoit après l'éclosion. Ils arrivent de Lichos, un petit village à côté de Moléon. Alors ce sont que des mâles, puisque pour faire du foie gras, on n'utilise que le canard et pas la canne. Quand on les reçoit, on les laisse dans un bâtiment qui est isolé, chauffé, à 28 degrés les premiers jours. Et à partir de 15 jours, c'est-à-dire à cet âge-là, on commence à les sortir sur le petit parcours en navet où on se trouve. Et c'est très important puisqu'ils vont passer la quasi-totalité de leur vie en extérieur. À partir de l'âge de 3 semaines, et ça jusqu'à l'âge de 2 mois, donc les canards, on va les déplacer, on les met dans un bâtiment beaucoup plus grand et avec un parcours extérieur aussi beaucoup plus grand. Donc le bâtiment, il leur sert d'abri juste pour la nuit ou vraiment l'hiver quand il fait très mauvais. Et par contre, le parcours extérieur, ils peuvent l'utiliser toute la journée à bon escient. Voilà. Leur alimentation, elle est dans les caisses. C'est de l'aliment qui est composé, donc c'est de l'alimentation qu'on achète, qui est composé, et ça c'est important, c'est que des céréales, c'est du blé, du maïs, du tournesol et du colza. Voilà. Donc ça, c'est leur alimentation de base. Mais il ne faut pas oublier qu'ils vont manger aussi beaucoup. Et c'est très important, le couvert végétal qui se trouve sur les parcs. Voilà, il y a 3 mois, quand ils sont arrivés, ils pesaient 60 grammes. Et aujourd'hui, donc, c'est des canards prêts à gaver qui pèsent 4,5 kg. Voilà, là nous nous trouvons dans la salle de gavage. Donc le gavage, c'est la dernière étape avant la transformation. Les canards entrent ici à l'âge de 13 semaines. Ils vont y rester 15 jours. À l'entrée, ils font 4,5 kg et à la sortie, 6,5 kg. Donc ils vont prendre 2 kg en 15 jours. Ils sont nourris matin et soir au maïs grain entier. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est un gavage en parc au sol. C'est vraiment le système traditionnel de gavage. Donc voilà, pour arriver à ce résultat, il aura fallu du temps. Depuis la naissance, l'élevage à l'intérieur les premiers jours, puis en plein air pratiquement toute leur vie. Voilà, c'est vraiment juste les derniers jours en fait qui restent à l'intérieur pour l'engraissement. Et il aura fallu quand même presque 4 mois, beaucoup de temps et surtout beaucoup de patience.